J'honore un métier auquel ma femme et mes gosses doivent, après Dieu, de ne pas mourir de faim. Toute vocation est un appel. Et tout appel veut être transmis. Ceux que j'appelle ne sont évidemment pas nombreux. Ils ne changeront rien aux affaires de ce monde, mais c'est pour eux que je suis née. Bernanos s'est toujours défendu d'être nommé dans la catégorie des écrivains catholiques. Il disait « Je suis un écrivain et je suis catholique ». Et quelquefois, d'ailleurs, il a cette espèce d'élégance de dire « Je ne suis pas un écrivain, une page blanche me harasse l'âme ». En réalité, il est très certainement l'un des grands écrivains français du XXe siècle. Il y a une analogie que Bernanos illustre très bien entre la démarche théologique et la démarche littéraire dans la création de personnages de fiction. Il y a là une espèce de révélation, et j'emploie le mot à dessein pour son analogie avec l'arsenal théologique, enfin. Il y a une espèce de révélation. Un romancier, quand il commence son roman, il ne sait pas ce qui va lui être révélé par ses personnages. Un théologien ne sait pas non plus ce que les fondements de la révélation vont lui apprendre. Il le découvre. C'est pourquoi il y a une analogie extrêmement fine entre la création littéraire dans la fiction et le travail théologique et le travail de la foi, si vous voulez. Les romans de Bernanos, c'est un enfoncement dans la noirceur de la condition humaine. Et il est évident que Sous le soleil de Satan a été marqué par la noirceur épouvantable de la guerre, de la grande guerre, comme on dit. De ce point de vue, il est tout de même intéressant de voir comment des écrivains différents ont pu réagir de façon très différente. Bernanos, en évoquant et en invoquant la grâce. Céline, par exemple, en s'enfermant probablement dans le malheur d'être un être humain, dans le pessimisme. J'écris dans les cafés pour ne pas être dupe des créatures imaginaires. Pour retrouver d'un regard jeté sur l'inconnu qui passe, la juste mesure de la joie ou de la douleur. Sous le soleil de Satan, c'est l'histoire d'un prêtre mal dégrossi, disons, pas très malin, un prêtre qui connaît admirablement ses limites et qui risque d'ailleurs d'y être enfermé par le diable. Et l'incarnation du diable dans le maquignon, c'est une figure du mal. Tu n'arriveras jamais à rien. Tu feras jamais rien de bon. Et il ne faut pas le pousser beaucoup parce que l'abbé Donissant est déjà un peu persuadé de sa nullité, disons, humainement. Le soleil de Satan, c'est l'illusion que Satan veut entretenir chez ce prêtre qu'il n'en sortira jamais. C'est un soleil mauvais, un soleil qui brûle. Et finalement, ce prêtre qui essaye tout, il a des séances de mortification épouvantables, il se flagelle, etc. Ce prêtre doit se rendre compte à un moment donné qu'il est malgré tout le véhicule de la grâce, à travers même ses faiblesses. Ce prêtre va avoir, en confessant, une capacité de réconcilier les gens avec eux-mêmes et avec la vie, qui est extraordinaire, un peu selon le modèle du curé d'Ars. Il va d'ailleurs mourir dans le confessionnal, comme si c'était là sa destinée d'avoir été habité ainsi à travers ses faiblesses mêmes par la grâce. Le diable n'aura pas eu le dernier mot. Satan n'aura pas eu le dernier mot.
Le roman moderne manque de Dieu, mais le diable lui manque aussi. Je conçois qu'un matérialiste n'aime pas d'entendre parler de Satan, puisqu'il ne veut voir dans la vie intérieure que le morne champ de bataille des instincts. Le diable introduit, il est difficile de se passer de la grâce pour expliquer l'homme, voyons. Mon curé de Limbre est sans doute une manière de saint, mais c'est par ses tentations, par son désespoir qu'il peut nous être rendu accessible. Il y a une réaction bernanosienne qui est d'espérance. Le christianisme lui apparaît comme le seul remède au mal humain. Et c'est quelqu'un qui, je dirais les choses comme cela, a vu de l'intérieur ce qu'est le christianisme comme salut, c'est-à-dire comme tirer l'être humain de sa condition épouvantable, de sa condition malheureuse. Il a compris de l'intérieur ce qu'est la foi chrétienne. L'imposture, c'est l'histoire de l'abbé Sénabre qui est absolument inverse par rapport à l'abbé Donissant de Sous le soleil de Satan. L'abbé Sénabre, c'est un prêtre très policé, très cultivé, très académique, qui lui sait bien qu'au fond de lui-même, il n'est pas ce qu'il fait croire aux gens qu'il est, mais qui refuse cette confrontation avec la vérité et qui va finir par s'y perdre. Il va finir par en devenir fou. Le mal, c'est la volonté de ne pas voir la vérité en soi. L'abbé Sénabre s'est construit un personnage respectable, d'académicien, mais il est rempli de doutes. Il ne sait pas s'il croit. Il ne sait pas s'il y a encore une adéquation entre ce qu'il écrit ou ce qu'il décrit, entre tout son travail académique et la vérité de sa vie. Bernanos dit qu'il continue à célébrer la messe, etc., mais pour faire semblant. Et finalement, il se ment à lui-même tout le temps. Ça, c'est aussi une figure extrêmement épouvantable du mal. Et la grâce, qui est le contraire du mal, qui démolit le mal dans le monde, la grâce, elle, veut la vérité. Je travaille dans la nuit la plus opaque. Je me bats avec les images et les mots d'une bataille extraordinaire. Chaque page écrite me coûte un monde. Monsieur Wynne, c'est l'ambiguïté du mal. D'ailleurs, le nom de Monsieur Wynne, Wynne, c'est oui non. C'est quelqu'un qui ne choisit pas, qui ne veut pas choisir. C'est quelqu'un qui sait très bien que son salut peut être fait par la grâce de Dieu s'il l'accueille et s'il l'accepte. Mais il devrait pour ça renoncer à un certain nombre de mauvaises habitudes qui sont les siennes depuis longtemps. Il ne veut pas, il est à la fois oui et non. On voit bien là aussi la trace évangélique, hein, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Monsieur oui ne en est incapable. C'est aussi une figure du mal. Donc qu'il s'agisse de ne pas choisir, qu'il s'agisse de mentir, de se mentir à soi-même d'abord, qu'il s'agisse de s'enfermer dans ce qu'on est en pensant qu'on ne pourra jamais être autre chose que ce qu'on est, que la grâce ne peut pas nous transformer. Voilà autant de manières d'évoquer la question, le drame du mal qui enferme l'homme dans son malheur. Dans tous les romans, la grâce advient
progressivement par le dépouillement et par l'effet de personnages qui sont lumineux, qui sont transparents. Dans La Joie, l'héroïne, Chantal de Clergerie, c'est une jeune femme qui, elle, se laisse traverser, travailler par la grâce de Dieu et qui devient ainsi une espèce de modèle de sainteté, un modèle tellement simple et tellement pur qu'il finit par agacer les représentants du diable ou du mal, dont l'un qui va l'assassiner par dépit amoureux. Chantal de Clergerie, c'est une sainte bernanosienne. C'est quelqu'un, donc, qui a récupéré l'enfance en elle, ou qui ne l'a jamais lâchée, et qui s'est complètement ouverte à la grâce de Dieu, et cette grâce l'a transfigurée, transformée. Bernanos est persuadé qu'on doit revenir à l'esprit d'enfance. L'enfance, ce n'est pas simplement un passé, mais c'est quelque chose à récupérer en soi qui est une ouverture à la grâce. L'enfant est capable de recevoir et d'accueillir. L'adulte se protège de l'accueil. Donc récupérer l'enfance en soi, cela signifie retrouver cet esprit d'accueil qui est si nécessaire pour accueillir la grâce de Dieu. Dieu donne tout. Et le grand problème de l'être humain, c'est sa capacité à accueillir ce qui lui est donné. Dès que je prends la plume, ce qui se lève tout de suite en moi, c'est mon enfance si ordinaire, qui ressemble à toutes les autres et dont pourtant je tire ce que j'écris comme d'une source inépuisable de rêves. Bernanos est très sensible à ça, d'autant donc que c'est un thème récurrent dans la prédication du Christ. Redevenir semblable à des enfants. Si vous ne redevenez pas semblable aux enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Vous n'aurez pas de part dans le royaume. Il ne s'agit pas évidemment simplement d'être nostalgique de son enfance, mais d'une disposition spirituelle à laquelle Bernanos était extrêmement sensible et qu'il a certainement apprise aussi de Thérèse de Lisieux. La petite voix de Thérèse de Lisieux, VOIE, hein, c'est la voix de l'enfance spirituelle. Il y a une espèce, chez Bernanos, de paradoxe dans l'appartenance chrétienne. C'est quelqu'un qui est vraiment proche du Christ. Et à travers les sacrements, la messe quotidienne, par exemple, la confession régulière, etc. etc. Et aussi, quelqu'un qui se méfie des institutions, même de l'institution par excellence qui est celle d'un chrétien, qui est l'institution ecclésiale. On le voit avec éclat dans Les grands cimetières sous la lune. Cet essai étrange qu'il publie en 1936 au moment de la guerre d'Espagne. À état-major, les évêques espagnols n'en sortent pas grandis. Il y a ce passage où il fait dire aux évêques, mais enfin, nous avons les moyens de sanctification, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Hélas, mes seigneurs, nous voudrions aimer. Ce qu'il reproche aux évêques espagnols, c'est de soutenir au nom de la foi chrétienne des choses qui sont impardonnables comme des massacres. On lui objectera, oui, mais les autres massacrent aussi. Oui, mais au moins, eux ne le font pas au nom de la foi chrétienne. Ça, pour Bernanos, c'est insupportable, insupportable. Bernanos n'a pas perdu la foi devant la barbarie de la guerre d'Espagne. Il n'a pas perdu la foi précisément parce que cette foi n'était pas simplement d'ordre institutionnel, elle était d'ordre complètement existentiel chez lui. La foi, c'était lui. Il était au Christ, il était le Christ en quelque sorte, comme devrait l'être tout chrétien. Mais par les sacrements, par la prière, par la méditation quotidienne et aussi par l'engagement, tout ça ne faisant qu'un. Mais Bernanos n'a jamais été un homme d'institution, et en tout cas jamais non plus un chrétien institutionnel. Et c'est ça qui lui a aussi garanti une liberté de pensée constante. Penser sa foi, mais librement.
Fernando, c'était un grand fan de motocyclettes, comme il disait. Ça lui a d'ailleurs coûté cher, parce qu'il a eu un grave accident de moto qui lui a broyé une jambe. Il est resté infirme jusqu'à la fin de ses jours. Attention! Dans le journal d'un curé de campagne, Bernanos décrit la joie extraordinaire de ce curé un peu chétif, un peu ça, ramassé sur lui-même, qui pendant tout un moment a une sensation physique de liberté en faisant ses quelques kilomètres en moto. Bernanos l'a certainement beaucoup ressenti comme ça. La moto, c'est pour lui une manière extrêmement concrète de vivre la liberté. Le livre que j'écris en ce moment me paie de mes peines. Je crois que le surnaturel, cette fois, y coule à plein bord. C'est un peu idiot de parler ainsi de ce que l'on fait, mais il me semble que je frappe un grand coup sur les âmes. Il ne s'agit pourtant que d'un journal d'un curé de campagne, très jeune et pas trop malin. Il y a, dans le journal d'un curé de campagne, une scène bouleversante. À mon avis, l'une des plus belles pages de la littérature bernanosienne et même de la littérature française tout court. Dans le village d'Ambricourt, la comtesse en veut beaucoup à Dieu parce qu'elle a perdu un enfant en bas âge et qu'elle ne s'en remet pas, qu'elle est remplie de doutes et de rancœur à l'encontre de Dieu. Le curé de campagne, lui aussi, a du mal à prier. Il ne sait plus prier et il ne sait même plus s'il croit encore. Il est lui aussi rempli de doutes. Et voilà qu'un soir, ils ont une conversation décisive à propos de cet enfant mort et de la rancune et la rancœur de cette femme. Et au cours de cette conversation, d'ailleurs, cette femme qui a toujours en médaillon une mèche de son enfant, une mèche de cheveux de son enfant, finit par arracher ce médaillon et le jette au feu. Mais elle retrouve la paix. Dans la nuit qui suit, après cet affrontement entre, oui, le mal, la rancœur, etc., et le don de la grâce, Madame la Comtesse meurt. Le curé de campagne va faire sa visite mortuaire, puis rentre dans son presbytère et écrit ses impressions. Et cette page est absolument bouleversante, parce que il dit « Je n'avais plus la paix, je n'avais plus la, peut-être même plus la foi ». Mais la paix, c'est moi qui la lui ai donnée, moi qui ne l'avais pas. Il y a cette formule, « Oh, merveille, que l'on puisse ainsi faire présent de ce qu'on ne possède pas soi-même. Oh, doux miracle de nos mains vides. » J'ai écarté le voile de mousseline, effleuré de mes doigts le front. Je lui avais dit « Soyez en paix » et elle avait reçu cette paix à genoux. Ô merveille, qu'on puisse faire présent de ce qu'on ne possède pas soi-même. Ô miracle de nos mains vides. Ça, c'est l'œuvre de la grâce à travers quelqu'un. Dans l'économie chrétienne du salut, on ne donne pas ce qu'on a. On ne donne pas de son trop-plein. On donne de son manque. La grâce transite à travers nos failles, à travers nos doutes, à travers nos errements même, à condition qu'on veuille bien accepter que ces errements même et ces doutes et ces failles soient des lieux habitables par la grâce. J'ai l'impression de me saigner à blanc. Le soir venu, j'ose à peine me moucher de peur de trouver ma cervelle dans mon mouchoir. Sans le tabac et le café, je me demande comment je pourrais tenir. Mais il y a par-dessus tout la grâce de Dieu.
Bernanos a été très sensible au Christ agonisant, sensible à un Dieu dépouillé, à un Dieu anéanti. Il n'est pas spécialement sensible à la figure du Père omnipotent. Le christianisme lui a appris que Dieu se donne à connaître dans l'anéantissement, dans la kénose, dans le vide de soi. Et il est évident que les chrétiens doivent emprunter la même voie pour aller vers la résurrection et l'accueil de la grâce de Dieu. Il n'y a pas de moyen autre, au regard de Bernanos, d'être chrétien que d'épouser le chemin par lequel Jésus lui-même est passé, qui est un chemin de croix. On le trouve dans le journal, on le trouve aussi dans le soleil de Satan, mais particulièrement dans ces deux textes, et puis dans les dialogues des Carmélites aussi, évidemment. Les dialogues des Carmélites, c'est aussi une mise en scène. C'est pas seulement une reconstitution historique du drame des Carmélites de Compiègne au moment de la terreur révolutionnaire, mais à travers cette évocation, c'est la reconstitution d'une évolution qui doit être celle de tout chrétien. C'est l'histoire en filigrane d'une novice qui veut entrer au Carmel, qui s'appelle Blanche de la Force. Ce n'est pas anodin. C'est son nom de famille, c'est les Chevaliers de la Force. Bon. Mais qui, en religion, va se faire appeler Sœur Blanche de l'agonie du Christ. Et cette fille, encore une toute jeune fille, hein, qui entre au Carmel, va devoir apprendre d'abord de la vie même du Carmel et puis du malheur qui va s'abattre sur cette institution, puisqu'on va venir arrêter les sœurs, elles vont s'enfuir pour quelques-unes d'entre elles, dont cette jeune novice, et les autres vont être emprisonnées, puis finalement exécutées, décapitées. Elle va apprendre que si sa force naturelle n'est pas moulinée, si vous voulez, en passant par l'agonie du Christ, c'est le nom qu'elle a pris en religion, Sœur Blanche de l'agonie du Christ, eh bien, elle n'arrivera à rien dans sa vie. Et il y a ce moment bouleversant où les religieuses montant à l'échafaud les unes derrière les autres en chantant le Veni Creator, et puis le cœur des voix s'amenuise à mesure que le couperet tombe, il y en a de moins en moins, et puis la dernière fait qu'on est dans le silence, il n'y a plus de chant. Blanche de l'agonie du Christ qui est dans la foule et qui a vu ses sœurs monter à l'échafaud reprend le Veni Creator et monte elle aussi volontairement à l'échafaud derrière ses sœurs. Sa vie a été transfigurée, sa vie terrestre a été transfigurée enfin par l'accueil de la grâce. Elle peut mourir à ce moment-là. Bernanos, c'est l'écrivain par excellence de la grâce de Dieu à l'œuvre dans les ténèbres les plus épaisses de la condition humaine. Mais la grâce travaille là où précisément peut-être on ne l'aperçoit pas spontanément, il faut scruter et il le fait à travers précisément des personnages qu'il crée. J'ignore si la vie m'aime, mais le bon Dieu m'a fait la grâce de bien aimer la vie. La vie que les imbéciles parcourent à toute vitesse, sans prendre le temps de la regarder. La vie pleine de secrets admirables, qu'elle mette à la disposition de tous et que personne ne lui demande jamais.
C'était donc...